My current first daughter. Ik mis haar zo hard. Holly, noemen ze wel eens de heks? Amai, dat stinkt hier ineens. Ik weet niet, ze heeft iets heel speciaals. Alsof ze mensen op een of andere manier van hun verdriet kon verlossen. Donc, Holly parle d'une fille de 15 ans qui a eu une prémonition d'une incendie à une école. Et à partir de ça, on est convaincu qu'elle a un don spécial. Et elle est presque utilisée pour aider les gens à soulager leurs douleurs. Le film joue un peu avec l'idée, ça veut dire pourquoi on croit en certaines choses et c'est quoi ce mécanisme. Et, donc, je flirte un peu avec un genre. En même temps, je savais aussi dès le début que je voulais revenir toujours à ce truc très naturel, à la réalité. Mais pour raconter cette histoire d'une communauté qui cherche certaines réponses, qui cherche quelque chose à quel ils peuvent se tenir, j'avais quand même besoin de quelque chose « bigger than life ». Donc voilà quoi, dès le début je savais que je flirtais avec un genre, que ça n'allait jamais se rapprocher plus que ça. Et voilà, que ça reste que je le touche légèrement quoi. Le thème d'adolescence est surtout aussi présent dans mon film précédent. Avant c'était plutôt des enfants, enfin plus jeunes. En même temps ça signifie plus ou moins la même chose parce que pour moi c'est quand même un miroir pour les adultes. Pour moi tous mes films parlait plutôt du monde des adultes, mais vu par les yeux des enfants ou des adolescents, ou par montrant comment les adultes traitent les enfants ou les adolescents, je raconte, à mon opinion, plus des adultes, quoi. C'est comme je les confronte avec leur comportement par eux. Jij beschermt mensen. C'est sûrement quelque chose que Holly, elle fait ce que les gens demandent qu'elle fait. Et apparemment, elle fait ça très bien. Mais c'est quelque chose qu'elle contrôle pas vraiment. C'est juste un truc qu'elle fait et apparemment, les gens adorent. En même temps, on ne l'a jamais demandé, si tu le crois, on ne l'a jamais demandé est-ce que tu te sens bien avec, est-ce que tu sens vraiment quelque chose, c'est juste décidé pour elle. Et je pense que, oui, en même temps, dès que ça commence pour elle, l'avantage est tellement grand l'avantage, surtout, elle existe, quoi, elle est vue par les gens, donc elle ne se pose pas trop de questions, c'est juste chouette. Que les gens le traitent comme ça. Donc pour moi, ça balance entre les deux. Il y a des moments où elle se dit, mais oui, je fais ce que je fais et les gens sont très contents. Donc oui, j'ai ce don. Dès que son meilleur ami, Bart, est effectué par ça aussi, elle commence à douter parce que ça devient très proche, mais elle n'a pas d'espace pour se poser des questions parce que même les gens au début de lesquels tu avais l'impression qu'ils étaient un peu acceptés, sceptique ou peut-être genre je suis toujours là pour en parler, du coup il croit aussi, donc elle se sent très seule quoi. Donc ouais, et dès que elle se pose les questions et les gens disent non, tu t'es comme tu es, et surtout elle veut pas perdre non plus son statut quoi, enfin donc c'est compliqué pour elle dans une tête d'une fille de 16 ans. Oui, c'est surtout la responsabilité, mais c'est que elle qui le porte, parce que les autres gens ne l'entendent pas. Donc ça, je trouve si beau, mais en même temps si dur pour Holly, parce qu'elle est toute seule avec tout ça.